Bienvenue dans l'After School. L'After School. L'After School. Et en tout cas, sur scène et aussi dans tes clips, tu bouges, tu t'aimes bien danser, t'aimes bien... je voulais savoir, est-ce que t'as pris, un coach pour la scène? Ou est-ce que t'as pris les cours de danse? Ou c'est ta danse Broken Back, c'est ton petit mix à la toi? La danse bretonne. Tu l'as fait beaucoup rire d'ailleurs. En dansant? Oui, enfin, elle a kiffé. Beaucoup de danse comme ça. Non, je pense que si tu m'as vu en concert, t'as la réponse. Hein. J'ai pas pris de cours. Hein. Non, mais ça... un style en fait. Oui, c'est vrai que t'as ton style, ouais. T'as ton style, en fait. Mais je trouve que c'est cool. Bah, faut pas prendre de cours, du coup. C'est pas réfléchi, ouais. C'est spontané, c'est comme les interventions. On va pas dire que c'est de la danse, tu vois, classique et tout ça, mais t'as ton style, quoi. C'est cool, alors. Je sais pas. T'as ton swag. J'ai mon swag, ouais, c'est ça. Bah, c'est gentil. Et du coup, je sais pas, en tant qu'artiste sur scène, est-ce que tu. Parce qu'il faut savoir comment bouger. Ouais. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que t'as appris ou est-ce que t'as eu quelqu'un qui t'a enseigné ça? Non, en fait, c'est venu petit à petit en me lâchant au début en fait, mais même d'un point de vue vraiment uniquement musical, toutes les premières chansons du premier album, elles étaient vraiment très guitare-voix. Il y avait tout le temps de la guitare, tout le temps. Okay. Donc, j'étais tout le temps bloqué un peu à mon micro à la guitare et c'est né de cette frustration d'être bloqué à mon micro tout le concert. Que j'ai commencé à retirer petit à petit la guitare des morceaux, de bouger, de faire des prods aussi avec d'autres instruments, de prendre Tom. Comme ça, moi, je peux bouger partout, je peux aller à droite, à gauche, danser et tout ça. Mais c'est hyper agréable de pouvoir délier son corps quand on joue, quand on chante. Parce que, et puis en même temps, j'adore ces moments où je reprends la guitare, mais c'est vraiment deux mondes complètement différents. Et à partir du moment où j'ai commencé à lâcher petit à petit la guitare, naturellement, en fait, concert après concert, j'ai commencé à danser de plus en plus. Et puis tu kiffes, hein, ça se voit. Ah bah, c'est assez agréable de danser, ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. L'interview touche bientôt à sa fin, mais j'aimerais te demander si tu veux bien faire un petit refrain a cappella. Si on peut enlever le bed, s'il te plaît, Chloé. Oh, tu me fais une petite ambiance et ah tout. Ah oui, petite ambiance, on enlève. Ok. Et tu choisis celui que tu veux ou celui que tu préfères. Allez, un petit bout de weight alors. Allez. Que t'avais entendu du coup au concert, j'imagine. Bien sûr. Listen, pure one, the death of my door. Nothing to cry about, nothing he swore. Time's running out, but once I am gone, forgive the old. I give me soin. Yeah. Ouais.